toute la foule est animée. Tous les joueurs déterminés. Allez les high five, montrez-nous vos capacités. La foule est animée. Tous les joueurs déterminés. Basket, êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Notre équipe est une famille, faut gagner pour nos amis. Et la victoire nous anime, car on a peur de personne. Parfois l'espoir est fragile, on ne lâche pas, on agit. Car le basket est magique et on a peur de personne. Sous le panier, sur le parquet, prête à gagner sous le panier, on a peur de personne. Êtes-vous vraiment prêt à remporter la basket? Ne me déconcentre pas, Bao. Je vais y arriver. Bon, allez, prends ma place et laisse-moi shooter. Non, pas question. Allez, laisse-moi tirer. Je suis meilleur que toi. Je suis aussi bon que toi. Ah, attention. Courage, Léo. Tiens bon, on est bientôt arrivé. Ça, c'était l'équipe de mon père quand il avait mon âge. Ton père et toi, vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Oui. Et eux, ce sont sûrement ses anciens coéquipiers. Tiens, Maître Zajun. Trop drôle, la tête. Dis donc, il fait une de ses têtes, celui-là. On dirait qu'il a mangé des huîtres pas fraîches. Mia, pitié, hein? Tu ne pourrais pas parler d'autre chose? Enfin arrivé. Ah, de l'air, je respire. Oh waouh, la claque. C'est super beau. Alors Mike, c'est comme tu l'imaginais? Ça fait tellement longtemps que je rêve de venir ici. Profite Mike, tu vas découvrir plein de choses sur ton père, c'est ton moment. Bienvenue au monastère Kanda, cher Highfire. Nous sommes très contents de vous accueillir parmi nous. J'espère que la route ne vous a pas trop fatigué. Fatigué, nous? Pff, on n'est pas des petites natures, hein? Oh. Venez. Avec notre nouvelle arme, la Grande Muraille. Waouh, c'est fou. Vous connaissez déjà les Shaolin. Des passes de loin, tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Tony, on est mort, t'as vu leur muraille? Pas de panique, les kids, j'ai un plan. C'est vrai? On m'a parlé d'un vieux Shaolin qui vit dans les montagnes. Maître Wu, un ancien champion de Kung Fu basket. Maître de Kung Fu? Voilà! Énorme! Mike! Je suis si heureuse de te voir, frère Panda. Salut, Jade. Moi aussi. Bienvenue chez toi, Mike. Merci, Oshen. Hey, Mike, tu sais que ton père s'entraînait sur ce terrain? Le père de Mike a grandi au monastère. Avant de quitter la Chine, oui, on sait. Mike, je te présente Xi, mon père. Je suis si heureux de rencontrer le fils de mon vieil ami, Bao. Hein? Alors, vous avez connu mon père? C'était même mon meilleur ami, et aussi mon plus grand rival. J'ai tellement de questions à vous poser sur lui. À quoi
quoi il joue là, ton père? Il a toujours détesté Bao. Peut-être qu'il a tourné la page. Mike, ça te dirait de faire une petite visite du monastère? Carrément! Je pourrais te montrer où ton père vivait, quels arbres nous avions l'habitude d'escalader. Ça me plairait beaucoup, mais ça tombe mal. Avec l'équipe, on doit aller s'entraîner dans... On se passera de toi, Mike. Fais-toi plein de beaux souvenirs. Merci, Tony. Wow, c'est trop beau. Je suis trop content d'être là. C'est encore loin, Tony? C'est par là. T'es sûr que tu sais où on va? Évidemment. Je le savais, on est perdus. Hé, hey, regardez! On est sauvés! Bonjour, monsieur! Nous sommes à la recherche de Maître Wu. Savez-vous où nous pouvons le trouver? Je vais vous y conduire, jeunes gens. Mais pourriez-vous d'abord m'aider à hisser cette charrette jusqu'à ma ferme? Avec grand plaisir. Oh! Wow! Vous avez été élu meilleur joueur de basket avec mon père. Oui, ex aequo. Comme toujours, il a été impossible de nous départager. Et ensuite, il y a eu l'épisode des 36 chambres. Les 36 chambres? C'est le test d'apprentissage ultime au monastère du panda. 36 épreuves terribles, destinées au vrai maître du kung-fu basket. Nous n'étions pas prêts, notre vanité a causé notre perte. Oh. Mike, je peux te montrer l'antichambre si tu veux. Oh. Oh, c'est hyper lourd. Comment il fait pour pratiquer ça tout seul? C'était pas prévu au programme, ça, Tony. Et toi, épouse, Léo. Merci infiniment, mes amis. J'aurais bien besoin de jeunes gens vigoureux comme vous pour m'aider à mettre de l'ordre dans ma ferme. Alors, qu'en pensez-vous? On est désolé, monsieur, mais on ne peut pas rester. On est les High Five et on affronte les Shaolin demain. Alors, on doit absolument trouver Maître Wu aujourd'hui. Mais vous l'avez déjà trouvé. C'est moi, Maître Wu. Alors, ça te plaît, Mike? Oh, oui. Ocean, tu sais très bien que ton père n'a pas le droit de s'approcher des 36 chambres. Calme-toi, il va juste montrer l'entrée à Mike. Oh. Hé, qu'est-ce Attendez. Que vous faites? Oh, c'est par ici. Suis-moi, Mike. Vengeance a sonné. Tu vas payer pour tout le mal que ton père m'a fait. Quoi? Père, non! Mais qu'est-ce que vous faites? Ocean, non, ne fais pas ça! Et toi, lâche ça ou ça va mal se passer! Maintenant, on ne peut plus arrêter le mécanisme de fermeture! Sors de là, mon fils! Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Bon, on fait quoi, Maître Wu? Gagne du dragon, planchette japonaise! Tony m'a dit ce que chacun d'entre vous a besoin d'améliorer. Parce qu'on a tous besoin de s'améliorer toujours. Et là, ta mission sera de ranger tous ces sacs là-haut dans la grange. Très bien, Maître Wu. Rudy, tu vas enfermer Poussin dans son enclos. Poussin? Ah! Bonne chance, Rudy. Léo, suis-moi. Tu dois attraper cette anguille. Fastoche. Quant à toi, Mia, tu dois dompter mon bélier et le faire boire dans son abreuvoir. Voilà, c'est lui.
Changer avec quelqu'un d'autre. Sans vouloir vous vexer, maître Wu, comment toutes ces épreuves vont-elles nous aider à gagner le match? À vous de le découvrir. Exactement. Le jeune cheval fougueux ne comprend l'obstacle qu'après l'avoir franchi. Wow, oh. Super le proverbe. C'est comme dans les films de Kung-Fu. Pourquoi ton père a fait ça? C'est quoi cette histoire de vengeance? Ton père et le mien ont voulu se mesurer aux 36 chambres et mon père a eu le genou brisé. Mais quel rapport avec moi? Mon père accuse le tien de l'avoir laissé tomber lors de la dernière épreuve. Et il a voulu se venger sur toi. Wow, on est où là? Ça doit être la chambre numéro 1. La première épreuve. Allez, poussin! Bouge! Touchez le meunier! Touchez! Là-haut. Oh zut, j'ai plus assez de force dans les bras. Je crois qu'on n'a pas le choix. Pour aller dans la deuxième chambre, on doit passer par cette porte. On peut pas y arriver tout seul. Il faut qu'on coopère. Oui, il faudrait que l'un de nous serve de tremplin à l'autre. Bonne idée, essayons. Allez, plus que 35 chambres. T'es prêt pour cette nouvelle épreuve? J'en ai marre de courir! Oh, et puis zut, allez, approche! Raté! Allez! J'y arriverai jamais! C'est ça qui t'intéresse? Poussin, allez viens mon cochon. La cible. Ça s'ouvre. Sur ta droite, Mike. Merci. Derrière toi, baisse-toi. Bien joué, frère. Bon, ça marche pas non plus. Et si j'essayais la force sans centrifuge? Ouais! Faut protéger Progress, Tony. La 36e chambre. C'est la chambre qui a été fatale à mon père. Tiens, tu vas en avoir besoin. Wow, merci Ocean. Il faut mettre un boulet dans la gueule du panda pour arrêter le mécanisme et ouvrir la porte de sortie.
Ben, c'est pas gagné. Terminé. Bravo, Stella. Et que t'as enseigné cette épreuve? Je vais pouvoir shooter à 3 points de très loin sans me faire contrer. Excellent. Maître Wu, Tony, venez voir. Allez, Poussin, fais le beau. Mission accomplie. En fait, la force ne sert à rien. Il faut ruser. Exactement. Et voilà le travail. Regardez, en fait, le truc pour attraper l'anguille, c'est d'arriver à anticiper ce qu'elle va faire. Bravo, Léo. Je suis trop fort. Alors, qu'est-ce que t'attends? Allez, t'as bien mérité de boire un coup, mon gros lapin. J'ai vaincu ma peur et je me suis cassé 3 ongles, mais au moins, je l'ai maté, votre bélier. Hey Mike, remplace-moi et laisse-moi essayer. Je suis meilleur que toi au shoot. Non, je peux y arriver. Si on continue comme ça, l'un de nous va finir par être blessé comme mon père. Oh, c'est pas vrai. Ok, vas-y, je te coupe. Je le crois pas, j'avais réussi. On va changer de tactique. Au lieu de défendre, on attaque. T'as raison, y en a marre. Go. Sois loué, vous êtes sain et sauf. Ce que tu as fait est inexcusable, père. La peur de te perdre m'a fait comprendre que je dois vivre dans le présent et non dans la rancœur. Je te demande pardon, Mike. J'étais aveuglé par la haine et la bêtise. Je vous pardonne, Xi. Et maintenant, je vais aller me coucher. À demain pour le match. Oh là là, Mike, on a suivi un entraînement de ouf. J'ai appris. Bah d'accord. T'as rien fait de la journée et c'est toi le plus fatigué. Vous n'avez pas utilisé ce que vous a enseigné Maître Wu. Tony a raison. On a totalement zappé ce qu'il nous a appris. Ok, mettons à profit ce qu'on a appris. High five, toujours au top. Ah.
faire bouger, moi. C'est ça qui vous intéresse? Ouais, continue comme ça, les high five. C'est bien, Mike. Plus que 8 secondes, il vous faut un panier à 3 points. Tu vas nous manquer, frère Panda. Ton père aurait été fier de toi, Mike. Voici son maillot. Son maillot? Merci, Xi. Merci. À bientôt. Au revoir, Mike. Oh non, pas les routes de montagne.